je m'appelle Isis Le Terrier et aujourd'hui je vais vous parler de mon film Nature qui est dans la sélection jeunesse du Festival d'Annecy. Alors ce film a été réalisé à l'occasion de l'appel à projet en sortant de l'école saison 6 sur les poèmes de Jean Tardieu. Donc au niveau de l'origine du film, ça a été très rapide pour moi de choisir ce poème parmi le corpus de 40 textes parce que c'était celui qui m'évoquait des images le plus rapidement possible. C'est vrai que le thème de la nature était déjà très récurrent dans mes films précédents et j'avais envie aussi de continuer à explorer ce thème sous un autre angle, mais aussi à continuer à expérimenter avec ma technique que je développe depuis quelques années, qui est d'animer en stop motion uniquement avec des éléments végétaux que je détourne et que j'essaye de révéler sous un autre angle. Et cette technique me paraissait adaptée au propos de mon poème, à la fois sur le fond et sur la forme, parce que j'avais envie de rendre hommage à la nature en la rendant omniprésente à l'écran. Et aussi, la poésie, c'est le fait de détourner des mots pour les révéler sous un nouveau jour. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire avec mes éléments végétaux, de les montrer, sous un angle inattendu, j'espère. Alors, au niveau de la technique, je blende des éléments végétaux. Ensuite, je les classe, je les range et après je les reconstitue pour en faire autre chose. Et là, ça vous donne une idée de l'échelle des marionnettes, parce que c'est vrai que du coup, ça m'amène à travailler très petit souvent. Donc, au niveau de l'animation, évidemment, je shoote tout avec un objectif macro et j'utilise à la fois la technique de la marionnette et de la substitution. Pour la suite, pour le moment, j'ai très envie à présent de faire quelque chose avec des plumes. Donc ce sera ma prochaine expérimentation. En plus, je suis passionnée d'ornithologie. Et pour m'aider dans ma démarche, j'ai lancé un petit appel à plumes. Donc toutes les personnes qui ont trouvé des plumes qui leur semblent intéressantes peuvent me les envoyer à mon adresse. Et j'ai lancé ça sur les réseaux sociaux et j'ai déjà reçu de magnifiques plumes. Donc je remercie déjà toutes les personnes qui m'en ont envoyé. Et voilà. Merci de m'avoir écouté et bon festival!